Bien, la commission d'enquête auditionne ce matin Monsieur Jean-Michel Ayat, premier président de la Cour d'appel de Paris. Monsieur, je vous remercie de votre présence. Je précise que cette audition est ouverte à la presse, diffusée en direct puis consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole pour une intervention liminaire qui précédera notre échange sous forme de questions et de réponses. Vous avez reçu du rapporteur une liste indicative de questions pouvant être abordées durant cette audition, mais je vous invite à nous faire part évidemment de tout point que vous jugeriez important en rapport avec l'objet de cette commission d'enquête. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur, je vous invite donc à lever la main droite et à dire je le jure. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, je voudrais simplement me présenter rapidement pour indiquer donc que j'ai une carrière exclusivement de magistrat du siège, puisque je n'ai jamais exercé des fonctions au parquet par choix personnel et par conviction chevillée au corps que mon indépendance passait par l'exercice des fonctions exclusivement au siège. Je suis de culture magistrat considéré comme un magistrat pénaliste, mais à l'occasion de l'évolution de ma carrière, j'ai exercé des fonctions civiles à plusieurs reprises. Je précise qu'après avoir été donc juge d'instruction et président de correctionnel, président de cour d'assises, j'ai bifurqué à l'âge de 50 ans, à ma demande, vers des fonctions de chef de juridiction. C'est un choix qui a été le mien. En 2005, j'ai effectivement candidaté pour les fonctions de président du tribunal de grande instance de Nice. J'avais parfaitement la perception des difficultés lourdes que traversait cette juridiction. Après la mise à la retraite d'office de l'ancien doyen des juges d'instruction pour des faits d'atteinte, je dirais, lourde à la déontologie d'un magistrat, puisqu'il avait été sanctionné par le Conseil supérieur de la magistrature. Et donc, ça a été un enjeu considérable pour moi de remettre cette juridiction sur les rails et qu'elle retrouve son image, alors que l'image avait été particulièrement flétrie au terme d'années lourdes, noires, difficiles. Ça a été très difficile, mais j'ai eu la satisfaction de voir cette juridiction retrouver son crédit au bout de 5 ans. 5 ans plus tard, j'ai été nommé président du tribunal de grande instance de Nanterre, qui était divisé, là encore, par une affaire très médiatisée. Et c'est en 2014 que j'ai exercé les fonctions. J'ai été nommé au président du tribunal de grande instance de Paris. Et c'est donc tout récemment que j'ai accédé aux fonctions de premier président de la Cour d'appel de Paris. Ce que je voudrais dire, c'est que j'ai effectué 2 années en cabinet ministériel, puisque j'ai été nommé membre de cabinet ministériel à l'éducation nationale, plus précisément à l'enseignement scolaire. Et j'ai eu en charge le traitement de tous les problèmes de société qui traversaient l'éducation nationale. Le premier lourd sujet que j'ai eu à traiter, c'était donc la lutte contre la pédophilie, qui était un sujet que ne savait pas traiter l'éducation nationale, puisque, si je puis me permettre l'expression, on se refilait le mistigri lorsqu'on repérait un enseignant qui pouvait avoir des difficultés de cet ordre-là, on va dire. Et puis, j'ai eu en charge tous les sujets de société, que ce soit la violence en milieu scolaire, l'organisation des sorties scolaires pour éviter des drames en termes de sécurité pour les enfants. C'était juste après l'affaire du Drac, ces enfants qui avaient été emportés par un lâcher d'eau d'EDF. C'était également la transmission. Ça paraît maintenant tout à fait naturel, mais il y a 20 ans, c'était un gros sujet, la transmission des bulletins scolaires aux deux parents lorsque les parents étaient séparés. Ça a été également l'enseignement privé, le foulard islamique, la lutte contre les sectes, l'obligation scolaire. Bon, de gros sujets qui m'ont passionné. Je n'ai pas l'impression, là aussi, que ça a été un accélérateur de carrière pour ce qui me concerne, puisque
J'ai été vice-président au tribunal correctionnel de Versailles lorsque je suis parti en cabinet ministériel. J'en suis ressorti vice-président au tribunal de grande instance de Nanterre. Voilà. Si j'avais une chose à vous dire, c'est que dans les 40 ans de carrière, avant que vous me posiez la question, bien sûr, dans les 40 ans de carrière ou presque qui sont les miens, j'ai le sentiment que la marche vers l'indépendance a été un long combat qui n'est pas gagné. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a une réforme qui n'arrive pas et qui est absolument indispensable. C'est une évolution fondamentale du statut du parquet. Il me semble qu'on ne peut plus retarder cette réforme. Il faut que les difficultés pour arriver à un consensus sur la réforme constitutionnelle épargnent le problème du statut du parquet qui ne peut pas être retardé. Et pour ce qui me concerne, je pense que la réforme telle qu'elle est envisagée, c'est une réforme à minima, c'est-à-dire l'avis conforme du CSM et l'alignement de la procédure disciplinaire. Personnellement, j'ai acquis la conviction que pour sortir la nomination des magistrats du parquet de la suspicion, il faut l'aligner complètement sur celle des magistrats du siège, à savoir un pouvoir de proposition du Conseil supérieur de la magistrature pour les postes de procureur de la République et de procureur généraux. Je pense que on y gagnera très clairement. Deuxième gros sujet qui est pour moi, et j'ai vu que vous alliez me poser les questions là-dessus, c'est bien évidemment un budget très insuffisant pour le ministère de la Justice. Et je le dis en soulignant les efforts considérables qui ont été ceux de l'État avec la construction du nouveau tribunal de Paris, qui est une réussite architecturale impressionnante, qui a considérablement amélioré les conditions de travail des magistrats et des fonctionnaires qui sont, je dirais, globalement fiers de leur tribunal. Mais je considère que c'est un premier pas, mais ce n'est pas suffisant et que le vrai sujet, c'est l'insuffisance des moyens, l'insuffisance des équipes autour des magistrats. Et je pense que cela pèse considérablement sur le travail qui est le nôtre. Nous n'avons que trop peu de collaborateurs, d'assistants spécialisés, de juristes assistants. Je voudrais simplement vous dire que les magistrats sont confrontés à un traitement des contentieux à un rythme effréné. Je prendrai simplement l'exemple des juges des libertés de Paris qui traitent à la fois de la décision de maintien en liberté ou de placement en détention provisoire, la rétention administrative des étrangers, les hospitalisations sans consentement, 12 juges des libertés qui rendent 22 000 décisions par an. C'est monstrueux. Et chaque année, il faut se battre pour obtenir des moyens. Je ne dis pas qu'on ne les obtient pas, mais on les obtient au compte-gouttes et que tout devient extrêmement lourd. Les juges des enfants à Paris sont confrontés à 15-20 déferrements de mineurs non accompagnés tous les jours. Cela veut dire qu'avant, il y avait un juge des enfants de permanence. Ils sont maintenant parfois deux juges des enfants de permanence. Je vois bien dans mes fonctions de premier président à la Cour d'appel que toutes les chambres sont complètement écrasées de travail et que, oui, je considère que l'indépendance passe aussi par des moyens qui permettent d'effectuer son travail en ayant le temps nécessaire pour étudier les dossiers et ne pas être toujours dans le stress des deux ou trois audiences collégiales par semaine dans lesquelles il faut rapporter des dossiers très complexes. Voilà, je ne veux pas être plus long sur mon propos liminaire. Merci, Monsieur le Premier Président. Une première question, vous avez dit que vous aviez eu un parcours exclusivement au siège et que c'était important pour vous. Vous savez qu'il y a un débat sur le fait de faire des allers-retours entre siège et parquet sous l'angle justement de l'indépendance du fait du rattachement hiérarchique du parquet au ministère et à la garde des Sceaux. Est-ce que vous pensez qu'il est du ressort d'une éthique personnelle de cloisonner le parquet et le siège et que c'est votre choix et qu'il est tout à fait légitime évidemment ou qu'il faudrait faire évoluer y compris
les règles de nomination et les règles de carrière pour mieux séparer siège au parquet, ou est-ce que vous pensez, comme un certain nombre de vos collègues, que finalement c'est un enrichissement ? J'ai évolué sur la question. Je pense, et d'ailleurs, je constate que la jurisprudence du CSM a posé comme règle qu'on ne puisse plus revenir dans une même juridiction, ayant été au siège pour exercer 5 ans plus tard des mêmes fonctions au parquet. J'aurais tendance à vous dire que dans les 10 premières années, il est parfaitement normal qu'un magistrat recherche s'il est plus à l'aise dans les fonctions du siège, dans les fonctions du parquet. Il faut savoir, il faut les exercer, il faut voir comment fonctionne un parquet, le poids du juge solitaire. Tout cela, ça doit être mis à l'épreuve des faits. Mais j'aurais tendance à dire qu'à un certain stade de la carrière, je dirais au moment où on réalise ce qu'on appelle son tableau d'avancement, donc grosso modo à l'issue des 10 premières années, je pense qu'il vaudrait mieux que les choix s'opèrent de manière nette, siège ou parquet, afin que les parcours soient, à mon sens, moins brouillés et que le logiciel siège ou le logiciel parquet ne bouge pas en permanence, et surtout quand on est dans une même juridiction ou dans des juridictions limitrophes, je pense que ça pose problème. Pourquoi, du coup, selon vous, au fond, ça pose problème ? Parce que dans les différentes auditions qu'on a conduites jusqu'à présent, on nous dit que finalement, les magistrats, quand ils, en fonction du poste qu'ils occupent, changent de comportement et qu'il y a une sorte de cloisonnement, de fonctionnement hermétique à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est-à-dire que quand ils sont au cabinet, ils sont au cabinet. Quand ils sont en administration centrale, ils sont en administration centrale. Quand ils sont au parquet, ils sont au parquet. Quand ils sont au siège, ils sont au siège. Et moi, mon sentiment, hein, c'est que ce n'est pas si simple que ça, et qu'on est toujours traversé par son histoire, ses contradictions, etc. Et qu'on a beau avoir toute la volonté, la force intérieure, une force intérieure hors du commun, on ne peut pas complètement y échapper. J'ai l'impression que votre sentiment, en demandant qu'il y ait un choix net à un moment donné, va plutôt dans ce sens. Oui, je pense que que la remontée d'informations, les rapports transmis au parquet général, tout cela n'est pas indifférent. Et je pense que avoir été juge d'instruction, puis ensuite au parquet où on va faire des rapports sur l'instruction, ça me paraît un peu compliqué. Donc je préférerais que les itinéraires soient nets et qu'il n'y ait pas ces passerelles. Je pense que tout le monde y gagnerait. Je répète qu'il est absolument indispensable de pouvoir faire un choix éclairé au début de sa carrière, mais ensuite, je pense que les fonctions du siège et les fonctions du parquet ne sont pas du tout les mêmes. Et je précise bien, parce qu'il y a cette hiérarchisation des fonctions du parquet au quotidien. Je vais laisser la parole au rapporteur Didier Paris, parce que je vous poserai après des questions sur les questions d'organisation, moyens, budget, etc. Et du coup, je pense que le rapporteur a des questions sur les aspects statutaires également. Merci, monsieur Poulot. Merci, c'est l'un ou l'autre. C'est un débat. Merci, monsieur le Premier Président, d'avoir bien voulu répondre à nos sollicitations. Vous avez commencé vos propos en disant, mais je crois avoir compris que c'était à l'égard du tribunal de Nice, en disant j'ai été nommé président notamment parce qu'il fallait redresser une juridiction. Mais je ne suis pas tout. En réalité, ce qui a été le mien, c'est que j'avais la perception que seul un profil pénaliste permettrait de répondre aux difficultés que traversait la juridiction. Et c'est pourquoi je me suis dit, parce que jusqu'à l'époque, c'était plutôt le procureur s'occupait du pénal, le président s'occupait du civil. C'était la culture de l'époque. Et j'ai eu le sentiment en 2005 qu'à l'évidence, il fallait probablement un magistrat pénaliste pour, en gros, écarter le soupçon de la corruption qui avait traversé les couloirs de cette juridiction. Et donc, je me suis dit, peut-être que c'est le bon moment de tenter, en se présentant au CSM comme candidat pour les fonctions de président du tribunal de Nice. Et précisément, je voulais revenir sur,
sur les difficultés que vous aviez rencontrées ou que rencontrait cette juridiction, puisque vous l'expliquez très bien, vous avez été là, y compris dans le cadre de cette mission de redressement. Donc, difficultés de corruption, difficultés déontologiques, sont vos propres termes. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, quelle était la nature des problèmes rencontrés et est-ce qu'aujourd'hui, il semble, par rapport à ce que vous avez connu dans cette période-là, qui n'est pas si ancienne que ça, est-ce qu'il vous semble qu'on peut encore rencontrer des difficultés de cette nature et comment on peut les contrer, en clair ? On est bien dans une commission d'enquête sur l'indépendance de la justice. Donc, tout système de corruption est en lien direct avec la notion d'indépendance. Je pense que cette juridiction a fait l'objet d'un très grand nombre d'inspections par ce qu'on appelle maintenant l'inspection générale de la justice, à l'époque l'inspection des services judiciaires. Et on voyait bien qu'il y avait une forme de porosité et il y avait eu une affaire tout particulièrement d'escroquerie internationale où l'argent de l'escroquerie avait transité sur un faux compte Carpa d'un avocat qui était en fait le futur bâtonnier du barreau de Nice. Et l'information judiciaire n'a jamais avancé et le doyen des juges d'instruction était à l'évidence celui qui avait été ralenti le cours de cette information. Et c'est dans ces conditions, alors qu'on était quasiment en limite de prescription, que le procureur de la République de l'époque, Éric de Montgolfier en l'espèce, avait demandé au président le dessaisissement du juge d'instruction qui avait été désigné, ce qui était évidemment un tremblement de terre. Et le changement de juge d'instruction a permis à cette instruction enfin de démarrer et d'aboutir à des mises en examen, y compris du professionnel de justice concerné, en l'occurrence l'ancien futur bâtonnier de Nice. Et cette affaire a été une véritable tempête au sein de la juridiction, avec une juridiction qui s'est fracturée en deux chez les avocats, magistrats du ministère public, magistrats du siège. Et donc, moi, je suis arrivé après la décision prise par le CSM de mise à la retraite d'office de cet ancien doyen des juges d'instruction. Mais le dossier d'instruction, lui, avait donc prospéré et venait le moment du jugement de cette affaire. Et ça a été un moment extrêmement fort dans ma carrière, puisque il fallait prendre la décision qui allait juger cette affaire. Et j'ai considéré pour ma part qu'il fallait absolument la dépayser, qu'on ne pouvait pas juger ça dans ce climat de tension extrême. Ça a beaucoup divisé. Et là encore, j'ai vu les uns les autres intervenir, les réseaux fonctionner. Et c'est dans ces conditions que la Cour de cassation a ordonné le dépaysement de cette procédure qui a été jugée à Lyon et les condamnations sont intervenues. Mais tout cela a été extrêmement difficile. Ce que je voudrais dire, parce que j'ai aimé cette juridiction, j'ai aimé cette ville et je suis heureux du travail qui a pu être fait. Il y avait beaucoup, beaucoup de démocrates, je dirais, qui en avaient assez toutes ces affaires, de tout ce qui flétrissait cette ville, de tous ces réseaux qui fonctionnaient pour intervenir, pour peser, pour détourner le cours normal de la justice. Et je pense qu'au terme de ces 5 années, qui n'ont pas été simples, qui ont été difficiles, on est arrivé avec, je dirais, toutes celles et tous ceux, avocats, magistrats, sièges, parquets, on est arrivé à faire en sorte que le soupçon s'éloigne. Pour autant, il faut être extrêmement vigilant. On ne peut pas dire qu'on déjeune ou qu'on dîne avec n'importe qui. Il faut toujours faire extrêmement attention, être plutôt sur la réserve et être toujours en état de veille pour savoir celui qui vous parle, celui qui vous rencontre, celui qui vous reçoit, avec qui va-t-il ensuite faire part de ceci, de cela. Donc la prudence a été constante. Je pense que, à l'évidence, c'est une juridiction où peut-être,
que la déontologie doit être rappelée. J'ai eu la chance, je l'ai dit publiquement, je le redis aujourd'hui sous serment, j'ai eu la chance d'avoir un entretien assez long avec le premier président de la Cour d'appel de Versailles, qui à l'époque était membre du Conseil supérieur de la magistrature et qui, avant mon départ à Nice, m'a donné un grand nombre de conseils sur le plan déontologique. Et je m'en souviendrai toute ma vie, et je pense qu'il m'a évité de faire beaucoup d'erreurs. Et à mon sens, sur des postes aussi difficiles, je pense qu'une veille déontologique, je dirais, doit être mise en place. Précisément de la déontologie, Rémi Hetz, que nous entendions hier, le procureur de la République de Paris, nous a remis un document, un mémento de la déontologie. Oui, c'est François Molins, oui, François Molins. Mais enfin, bon, on nous a communiqué le mémento tournant autour de la déontologie, je ne me souviens plus, j'ai le document, mais quelle est l'appréhension, je dirais, des magistrats, mais la déontologie, ça ne touche pas que les magistrats, ça touche les greffiers, ça touche les personnels de justice en général, et vous avez fait référence d'ailleurs à la sphère des avocats dans vos propos. Quelle est l'appréhension de cette question-là actuellement? Est-ce qu'elle vous paraît suffisante? Est-ce que le mémento, par exemple, dont on a parlé, est en soi une réponse suffisante? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est utilisé dans les juridictions à votre connaissance, y compris les cours d'appel dont vous avez la charge, la plus grande cour d'appel de France, évidemment? Et est-ce que, en soi, l'obligation de débat issue de la loi de 2017, hein, est-ce que, en soi, cette question-là répond suffisamment à la préoccupation d'indépendance des magistrats et de l'ensemble de la sphère judiciaire? Je pense que le recueil d'obligations déontologiques, il a été publié en 2010, ce premier recueil, et il avait fait l'objet de beaucoup de débats à l'époque. Il avait été adressé à chacun des magistrats, et puis on en avait beaucoup parlé, il avait été beaucoup évoqué, je l'avais moi-même rappelé, je crois, pour certaines de ses obligations lorsque j'avais pris mes fonctions de président du tribunal de Nanterre. Mais évidemment, au fil du temps, les choses s'oublient. Et il y a eu un nouveau recueil, enfin une actualisation du recueil l'année dernière, avec un certain nombre de cas pratiques qui sont diffusés en annexe. Mais il est certain qu'il n'y a pas eu de débat autour de cette thématique. En revanche, je crois pouvoir dire qu'à l'École nationale de la magistrature, les obligations déontologiques sont très, très longuement expliquées aux auditeurs de justice. En revanche, je pense que la déclaration d'intérêt a été une avancée majeure parce que c'est un moment, dans les 2 mois de la prise de fonction du magistrat, où il va s'entretenir avec son chef de juridiction ou son chef de cour. Je précise qu'à mon sens, s'il y avait une modification à faire, c'est l'interdiction de déléguer cette obligation. Je considère que c'est au chef de juridiction et non à son délégataire de le faire. Je reconnais. Alors, lorsque le texte a été mis en place, j'étais au TGI Paris, maintenant tribunal judiciaire, 360 magistrats pour lesquels il fallait faire la déclaration d'intérêt, impossible, jour au lendemain. J'ai donc procédé à un maximum d'entretiens et j'ai délégué pour les plus jeunes et les moins gradés, je dirais, ceux qui étaient sortis d'école assez récemment. Depuis 2018, je ne délègue plus du tout la moindre déclaration d'intérêt. Je procède à tous les entretiens déontologiques de tous les magistrats qui rejoignent le tribunal dans un premier temps et maintenant la cour d'appel. Je pense qu'il faut clarifier encore un peu plus les choses en disant qu'en cas de changement de fonction de poste, cet entretien déontologique doit être obligatoirement repris. Pourquoi ? Je pense qu'il faut le dire, ça va sans dire, mais ça va quand même mieux en le disant. Pourquoi ? Parce qu'un chef de cour, un chef de juridiction doit absolument avoir un débat avec le ou la collègue pour s'assurer qu'il a bien pris en compte tout cela et
que le chef de juridiction a bien repéré les éventuels conflits d'intérêts qui pourraient naître. Je me rends compte d'ailleurs que certains viennent me revoir à la suite de ce que je leur ai dit. Je leur explique que la vie fait qu'on se marie, on divorce, on se remarie. Et je prends souvent pour exemple que ce n'est pas la même chose d'être marié avec une professeure de piano et de se remarier avec une patronne du CAC 40. Donc, bien évidemment, il va falloir réviser le logiciel. J'explique également que la vie fait que on perd ses parents, qu'il peut y avoir des successions qui vont changer considérablement la configuration du patrimoine et que ces choses-là nécessitent aussi une prise en compte de nouveaux intérêts susceptibles d'eux. Donc, à mon sens, il ne faut pas déléguer. Il faut que cet entretien ait lieu. Et je dois dire que c'est des moments toujours assez riches d'échanges parce que les collègues vont évoquer spontanément des situations où ils ont besoin d'un éclairage sur un éventuel conflit d'intérêts. Alors, c'est généralement, est-ce que vous pensez que je peux juger cette affaire? Et je leur dis, mais le simple fait même que vous posiez cette question veut dire qu'il y a un sujet. Donc, on arrive à avoir ce débat et je pense que c'est très bien. Dans l'ensemble, après beaucoup de scepticisme au départ, les choses ont été comprises. En revanche, je pense que la déclaration de patrimoine, ça avait été envisagé à un moment. Je crois que finalement, c'est uniquement les membres du CSM et les chefs de la Cour de cassation qui font une déclaration de patrimoine auprès de la Haute Autorité. Ça, je pense que ce n'est pas la peine, effectivement, d'aller plus loin. Oui, ça ne me paraît pas la peine d'aller plus loin. Mais en tout cas, je crois vraiment que c'est le fait de déléguer cela, à mon sens, ce n'est pas bien. Voilà. Dernière question à ce stade, avant qu'on continue. Le président a évoqué le passage du parquet au siège, du siège au parquet. Vous y avez répondu. La carrière des magistrats peut être parfois plus complexe avec des situations d'intégration, des magistrats qui viennent de l'extérieur, qui ont eu des carrières précédentes, et avec une gestion du corps qui fait que, et là, en termes d'indépendance, c'est une volonté, qui fait que sur certains postes, on ne peut pas rester longtemps. Par exemple, les juges d'instruction ont une obligation de quitter leur poste au bout de 10 ans et d'autres fonctions au bout de 7 ans. Est-ce que cette situation vous paraît en soi satisfaisante? Est-ce qu'elle doit être encore durcie ou pas? Est-ce que dans le constat... On connaît d'autres corps d'État comme les préfets, mais là, c'est un peu à l'excès, au bout du spectre, qui, au bout de 3 ans, c'est déjà une durée un peu maximum. Est-ce qu'il vous semble que la mobilité fonctionnelle et géographique, les deux, y compris en géographique régionale, hein, on voit beaucoup de mobilité qui reste dans une même région, finalement. Est-ce qu'il vous semble que ces règles-là, au titre de l'indépendance du corps, sont suffisantes ? Suffisamment protectrice des garanties d'indépendance qu'on doit à nos concitoyens, ou est-ce que, compte tenu de votre très longue et très riche expérience, il vous semble qu'on peut encore évoluer, aller dans une direction plus stricte, plus rigide ou plus formatée quelque part? Je vais vous répondre très franchement, il faut faire bouger les choses. Je pense qu'il faut que la règle de 10 ans s'impose également à tous les magistrats non spécialisés. Je pense que la règle de 10 ans est saine pour toutes les fonctions spécialisées, juge d'instruction, juge des enfants, ex-juge d'instance et juge d'application des peines, mais qu'on arrive à une aberration où l'on peut être président de correctionnel 25 ans à Limoges. Ce n'est pas pensable. Ça existe. Ça existe. Pas à Limoges. J'ai fait exprès de choisir une autre ville. Mais ça existe. Et donc... on se retrouve avec des situations où un magistrat accède au premier grade dans des fonctions non spécialisées et ensuite dit « je suis inamovible, je ne bouge pas ». Et bien évidemment, on se fossilise en restant très longtemps dans une fonction non spécialisée et il est absolument indispensable d'aller se confronter à la problématique d'une autre juridiction. Et si on demande cet effort aux magistrats spécialisés, je pense qu'il faut le demander maintenant. Alors, je sais que je casse la vaisselle en disant ça, mais c'est vraiment, à mon sens, une garantie démocratique
pour s'assurer d'une oxygénation du collègue qui va voir d'autres réalités. Je précise également que ce qui n'est pas sain actuellement, c'est que vous avez des jeunes juges d'instruction, par exemple, ou de jeunes juges qui vont se spécialiser sur des thématiques très particulières, que ce soit la propriété intellectuelle. Je vois des jeunes juges d'instruction qui se sont spécialisés au pôle santé publique de Paris, qui vont donc avoir à traiter des affaires hypersensibles, que ce soit des problèmes d'environnement, d'accidents collectifs. Et pour des simples problèmes d'avancement, il va falloir qu'ils partent et réaliser leur tableau d'avancement dans un tribunal de la périphérie parisienne. Ça, c'est absolument absurde. Absurde. Je me permets également d'évoquer une collègue qui était en charge du crash de la Malaysian Airlines. Voilà un dossier où elle connaissait, mais à la minute près, ce qui s'était passé dans le cockpit de cet avion. C'est des mois et des mois de travail pour bien comprendre la législation, le fonctionnement d'un avion, tous les systèmes de sécurité. Et pour des problèmes de carrière, il faut qu'elle aille réaliser son premier grade ailleurs. C'est catastrophique. En revanche, si on dit « vous avez 10 ans et vous pouvez avancer sur place, mais vous savez que vous êtes sur un total de 10 ans », on garantit l'indépendance à ce magistrat, on la renforce, puisque précisément, pour des problèmes de carrière, on ne l'écarte pas d'un dossier, mais en revanche, on lui dit « vous ne vous fossiliserez pas dans des fonctions au-delà de 10 ans ». Parce que je crois que véritablement, passer une durée de 10 ans, on devient complètement rigide. On n'a plus cette gymnastique qui consiste à se remettre en cause en fonction des réalités différentes que l'on voit. Pour les chefs de juridiction, la règle est de 7 ans. Et là, je pense qu'elle est extrêmement saine également, parce qu'au-delà de 7 ans, les influences locales, le climat local fait que, eh bien, peut-être que les réflexes s'émoussent. Donc je pense que ces règles de mobilité sont absolument indispensables. Alors, je complète mon propos. J'avais dit devant le Conseil supérieur de la magistrature que je prenais l'exemple des Alpes-Maritimes, Nice, Grasse, Grasse-Nice. J'avais tendance à dire qu'il faudrait considérer que c'est une seule et même juridiction, parce que sinon la passerelle de Nice à Grasse ne permet pas cette oxygénation. En revanche, donc on m'avait opposé, oui, mais les carrières en région parisienne, je considère que de passer de Paris à Bobigny, c'est véritablement changer de logiciel, parce que vous voyez des départements qui ont des réalités complètement différentes, des thématiques complètement différentes, et c'est extrêmement sain d'aller voir les différentes juridictions. Moi, c'est vrai que j'ai circulé Paris, Nanterre, Pontoise, Versailles, Nice, tout cela, c'est des juridictions avec des thématiques et des problématiques sociales complètement différentes. Et là, je suis certain qu'on remet en cause son propre logiciel en voyant des réalités sociales complètement différentes. Avant de passer la parole peut-être au collègue Nadeau, s'il a une question. Monsieur le Premier Président, ça me frappe que, mais c'est du fait de votre parcours, hein, que l'essentiel des exemples que vous citiez sur des potentiels manquements à la déontologie ou sur vos expériences à Nice concernent finalement des magistrats du siège, qui, eux, bénéficient de règles de nomination qui sont a priori une garantie déjà à l'heure actuelle. Vous disiez en préambule qu'il était essentiel de faire évoluer le statut du parquet sur les règles de non-nomination. Est-ce que, du coup, vous pensez que c'est une condition nécessaire ou est-ce que c'est une condition suffisante pour avancer vers plus d'indépendance? Et est-ce que, finalement, l'indépendance, ce n'est pas aussi beaucoup de mécanismes comme ceux qu'on vient d'évoquer de la mobilité géographique, sachant que, par ailleurs, je vous rejoins sur les histoires de spécialisation pour avoir conduit une mission sur la délinquance économique et financière. Je vois la difficulté de spécialiser aussi des magistrats, que ce soit au parquet ou au siège, sur le sujet, et on gagnerait à monter en compétences là-dessus. Vraiment, je considère qu'il est extrêmement... il est indispensable, il est urgent que la nomination d'un procureur ou d'un procureur général ne donne pas lieu à des interprétations ou plus exactement à une suspicion.
On n'a jamais vu, depuis, je dirais, maintenant, je pense, 20 ans, des débats ou des polémiques sur des nominations au siège, comme président ou comme premier président. Et je pense que, en revanche, des nominations au parquet qui posent problème, des nominations de procureurs malgré un avis défavorable du Conseil supérieur de la magistrature, ce n'est pas si ancien dans l'histoire de la magistrature française. Et à mon sens, si on ne fait pas cette réforme, il y aura une scission du corps. Et pour moi, ce serait la pire des catastrophes. Je pense que l'unité du corps est quelque chose d'indispensable. En revanche, si on n'aligne pas les deux statuts, siège et parquet, il y aura inévitablement, à chaque alternance politique, des suspicions sur les nominations. Et ces suspicions, c'est un poison mortel parce que ça affaiblit le magistrat qui est l'objet de ces critiques. Fondées ou pas fondées, ce n'est pas le sujet. Mais il y aura toujours cette suspicion. Et c'est très préjudiciable à l'exercice de l'action publique parce qu'il y a toujours cette réminiscence du soupçon. Je le dis parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, si on ne clarifie pas les choses, je crains qu'il y ait une décision ou de la Cour européenne ou même de la Cour de cassation qui vienne dire qu'il y a une difficulté majeure. Un mot. Là, pour le coup, en audition avec le procureur de Paris hier, on abordait cette question qui n'est pas du ressort du siège, mais vous êtes un premier président de cour d'appel où manifestement, c'est, en reprenant vos propos, à tort ou à raison, mais c'est la suspicion. A priori, plutôt à tort, c'est-à-dire que les magistrats du parquet n'ont pas le sentiment d'avoir moins d'indépendance qu'un magistrat du corps, tout simplement, mais on est plutôt face à une question de suspicion, d'opinion publique, d'incertitude sur la réalité de l'indépendance de justice, étant précisé qu'un dernier sondage montre que les Français croient assez peu en l'indépendance de la justice. Donc pour vous, ça c'est un élément déterminant, mais qui n'est pas nécessairement en lien avec une réalité tangible. Étant précisé que, vous l'avez vu, la Cour de justice européenne, dans un arrêt du 19 décembre dernier, nettoie un peu la question, mais pas en concordance avec la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui est encore un autre débat. Les nominations de procureurs généraux, c'est traité par la chancellerie. Donc, je considère que un conseil supérieur de la magistrature qui voit les candidatures, qui les examine, qui procède à des auditions, avec un conseil supérieur de la magistrature dont maintenant on peut considérer vraiment que sa composition est pluraliste, qu'elle est ouverte, je considère qu'on est arrivé maintenant à un point d'équilibre, offre infiniment plus de garanties que le choix opéré par la chancellerie. Les procureurs sont aussi auditionnés par le Conseil supérieur de la magistrature, s'agissant des postes de niveau supérieur. Juste pour émettre un avis. C'est très différent. C'est très différent, puisque le CSM siège, cherche, auditionne et décide. Très différent. Là, les choses ont été faites en amont. La sélection a été faite en amont. Et je pense que ce système marque ses limites. Et un CSM est forcément tenu d'avoir une jurisprudence cohérente. Parce que en son sein, il y aurait des débats pour dire mais pourquoi lui, pas l'autre, en raison du parcours, de la carrière, de l'ancienneté, de la mobilité, enfin un certain nombre de critères. Le CSM parquet a une marge de manœuvre qui est quand même plus réduite et je crois savoir que cette évolution finalement serait beaucoup plus saine pour la démocratie. Je vais laisser la parole au collègue Sébastien Nadeau pour une question. Merci, Monsieur le Président.
J'ai pu consulter donc le recueil des obligations déontologiques des magistrats avec une lecture peut-être un peu superficielle, mais quand même assez rassurante. Je dois vous le dire, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup d'éléments. Moi, ce que j'aimerais savoir, parce que la pratique, on l'aperçoit pas suffisamment à travers la lecture, c'est notamment sur la question des déports. Est-ce qu'il y a des volumes, est-ce qu'il y a des chiffres? Je vous dis ça parce que nous, très récemment à l'Assemblée nationale, maintenant sur notre intranet, sur un vote, il suffit d'aller cliquer sur un bouton pour dire qu'on se déporte parce qu'il y aurait éventuellement conflit d'intérêts et donc on ne prend pas part au vote. Et donc j'aimerais connaître un petit peu les volumes. Est-ce que c'est une pratique qui est inscrite dans la tête des magistrats comme quelque chose d'assez finalement naturel, ou bien c'est encore du ressort de cas exceptionnels? Aucune statistique n'est établie, aucun report n'est quantifié, parce que en réalité, dans la plupart des cas, c'est une connaissance personnelle, une affaire dont on a eu à connaître par un autre biais dans le passé. Et en définitive, ce n'est pas si fréquent que ça. Je pense que cela, pour le coup, ça jetterait un climat de suspicion, alors qu'en réalité, c'est souvent des ressorts qui relèvent d'une connaissance d'une partie ou du frère d'une partie ou de quelqu'un qu'on a connu il y a 10 ans, il y a 20 ans, dans un autre. Pourquoi pas, après tout, je ne vous dis pas que ce serait quelque chose, mais c'est quand même assez peu fréquent. En revanche, je ne cesse de dire aux collègues, nous sommes googlisés matin, midi et soir, les réseaux sociaux diffusent des photos et tout cela, vous devez bien avoir conscience que vous pouvez imaginer que tout cela ne se sait pas, mais bien évidemment, ça se sait, et donc soyez très vigilants. Mais je trouve que dans l'ensemble, cette notion de conflit d'intérêts a bien été intégrée par les magistrats. Moi, je suis assez impressionné par ce sursaut constamment et cette veille déontologique qu'ils ont acquise au fil des ans, grâce notamment à ce recueil. Pour poursuivre la question du collègue Nadeau, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre, monsieur le Premier Président, mais il y a eu, sur ces questions déontologiques, le CSM qui s'est réuni dans sa formation disciplinaire au mois de décembre dernier pour 3 magistrats de la Cour de cassation. Qui a conclu qu'il y avait 3 manquements à la déontologie, mais qu'il n'emportait pas de sanctions disciplinaires. Est-ce que vous pensez que cette décision est de nature à rassurer quant à la prise en compte des obligations déontologiques par les magistrats, notamment dans la plus haute juridiction qu'est la Cour de cassation ? Vous comprendrez que je ne me permette pas de commenter une décision du Conseil supérieur de la magistrature. Je dirais en tout cas que pour ce qui me concerne, je fais attention aux demandes d'enseignement ou de des droits d'auteur qui pourraient être perçus, tout cela, j'y porte un regard encore plus attentif. Et il me semble que tout cela, en tout cas cette affaire-là, a suscité beaucoup d'interrogations chez les magistrats et donc a, je dirais, alimenté leur réflexion sur la déontologie. Merci pour votre réponse. Sur les aspects organisationnels maintenant des juridictions, il y a quand même quelque chose qui, moi, m'a paru étrange en arrivant dans mes fonctions de parlementaire et en visitant les différentes juridictions. Mais étrange, mais pas désagréable non plus, c'est cette histoire de diarchie dans la gestion des juridictions. Où, en théorie, c'est plutôt le siège qui est censé gérer la juridiction, mais elle le fait main dans la main avec le parquet, avec le procureur général.
en l'occurrence. Est-ce que vous pensez que ce fonctionnement est sain, utile, ou est-ce qu'il ne peut pas être de nature à poser des problèmes quand l'une des deux parties n'est pas d'accord sur l'organisation de la juridiction ? Et sur les moyens, le fait qu'il y ait une discussion permanente avec l'administration centrale sur l'allocation des moyens, avec les budgets annuels qui sont alloués, avec le RPROG, les RBOP et autres joyeusetés d'organisation de la LOLF. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait évoluer là-dessus, avoir des budgets plus indépendants, en tout cas des marges de manœuvre plus larges en la matière ? Monsieur le Président, moi, je veux dire que j'ai connu un peu tous les types d'organisations, puisque j'ai connu la diarchie, puis j'ai connu la triarchie au tribunal de Paris, avec en plus un partenariat public-privé qui est venu considérablement compliquer la donne. Alors, la diarchie, je reconnais que c'est une organisation complètement baroque, puisqu'il y a deux pilotes dans l'avion, clairement. Pour autant, de manière assez classique, le président suit ces sujets-là et le procureur s'assure qu'il n'y a pas, je dirais, de distorsion, mais c'est plutôt le président qui a la main. Il y a une espèce d'accord tacite entre chefs de juridiction qui s'entendent assez bien sur une répartition. Mais c'est vrai. Je ne peux pas vous dire le contraire. Moi, je vous dois la vérité que quand il y a une allocation de moyens insuffisante, quand il y a une pénurie de greffiers, quand il y a une pénurie d'adjoints administratifs, se répartir la misère, c'est lamentable. C'est lamentable. Et j'ai connu une autre organisation au tribunal de Paris avant déménagement qui, à mon sens, était beaucoup plus saine. C'est qu'il y avait des moyens alloués au parquet, des moyens alloués au siège, une réflexion sur ce qui pouvait être les services communs, type traitement des frais de justice, et cela a évité ces querelles assez indignes pour s'arracher qui le greffier, qui l'adjoint administratif, qui arrive parce que on est dans une situation de sous-effectif permanente. Je trouve que deux directions de greffe séparé, donc un directeur de greffe rattaché au procureur de la République et qui gère ses moyens. De l'autre côté, celui du siège, c'est beaucoup plus digne. Et cela permet d'avoir une hiérarchie beaucoup plus harmonieuse qui, comment dire, consacre son temps au vrai sujet. La vraie difficulté, c'est qu'effectivement, les moyens alloués aux juridictions sont insuffisants. Donc, on est confronté, donc dans la plupart des juridictions, à ces arbitrages qui sont pénibles. Qui sont pénibles parce que faut-il affecter le greffier qui vient d'arriver à la notation des OPJ pour le parquet ou au service d'accueil du justiciable pour le siège, qui est une préoccupation, l'accueil du justiciable, c'est pas bien parce que dans les deux cas, c'est urgent, c'est nécessaire au bon fonctionnement. Quand au moins les moyens sont séparés, chacun gère et arbitre les priorités sans avoir ces querelles au quotidien. Moi, je trouve que, pour avoir testé les deux systèmes, je trouve que ça, c'est beaucoup mieux. Par-delà juste les querelles que je comprends bien et qui sont une réalité concrète au quotidien, est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet au regard de l'indépendance vis-à-vis de l'exécutif et vis-à-vis de la conduite de la politique pénale, vous qui êtes plutôt de tendance pénaliste, puisque le président ou le premier président, maintenant que vous êtes, n'est pas tenu par la circulaire de politique pénale ? Or, le procureur ou le procureur général, lui, y est tenu et doit décliner l'organisation des moyens en fonction des priorités de politique pénale. Or, quand il y a cette confusion, cette hiérarchie, enfin confusion, en tout cas cette hiérarchie, l'arbitrage doit se faire d'un côté en fonction de la circulaire de politique pénale et de l'autre en fonction d'autres considérations qui sont sans doute plus indépendantes. Oui, je partage complètement. Est-ce que du coup, votre proposition d'avoir deux directions de greffe, deux budgets alloués au sein de la juridiction, entre siège et parquet, c'est aussi de nature à répondre à ce souci d'indépendance vis-à-vis de l'exécutif et de la circulaire de politique pénale.
ça clarifie effectivement considérablement les choses et ça permet à un procureur et à un président de l'autre côté de réfléchir au déploiement des moyens de manière beaucoup plus, de manière beaucoup plus sereine, voilà, sans voir son action, parasitée par des éléments qui ne lui reviennent, qui finalement ne devraient pas être cela. Et moi, je le dis parce que j'ai travaillé avec François Molins dans cette organisation-là, ça a été pour nous une période extrêmement précieuse parce qu'il n'y avait aucune tension à ce sujet. Je le dis parce que on est arrivé jusqu'à 10% de postes vacants dans les effectifs de greffe et que effectivement c'est très préoccupant quand il manque du monde à la permanence du parquet, c'est-à-dire tous ceux qui sont auprès des magistrats du parquet pour gérer les permanences, les déferments, etc. C'est le poumon, je dirais, du parquet, mais c'est également une catastrophe s'il n'y a pas de greffier dans un cabinet d'instruction, s'il n'y a pas de greffier aux côtés d'un juge aux affaires familiales, parce que tous les matins, c'est comment va-t-on organiser les audiences. Je trouve que tout cela, oui, pèse véritablement sur le bon fonctionnement et n'est pas digne en démocratie, parce que je considère que cette bataille constante des moyens, puisqu'on n'a pas les moyens qui théoriquement devraient nous être alloués, parce que 10% de postes vacants, ça veut dire quand même qu'on est dans une situation de fragilité, qui nous vaut des critiques parce que c'est lent, parce que ça va passer vite, parce que les décisions traînent à être mises en forme alors que la décision est rendue, tout cela n'est pas bon, également pour l'image qui devrait être la nôtre d'un grand service public qui fonctionne de manière fluide. Je pense que, par ailleurs, par rapport à l'administration centrale, pour répondre à la question qui était la vôtre, c'est vrai que c'est un combat permanent pour convaincre de la nécessité de renforcer les équipes autour du juge. Je prends un exemple puisque je m'en suis expliqué publiquement à deux reprises récemment. Les petites juridictions du ressort, Sens, Fontainebleau, Auxerre. Ce sont les présidents qui généralement exercent pour la première fois des fonctions de chef de juridiction. Et il suffit qu'il y ait un juge aux affaires familiales en stage, un juge d'instruction en congé de maternité, un juge des référés qui tombe malade, le chef de juridiction. Il a toutes ses fonctions d'administration, mais comme il a la responsabilité de sa juridiction, il va être juge des référés le matin, président de correctionnel l'après-midi et JLD le soir. Je dis que ça ne peut pas continuer comme ça parce que je les vois tous au bord du burn-out. Donc je dis simplement, il faut leur permettre non pas d'avoir un greffier en chef, un directeur de service de greffe, il faut qu'ils aient un juriste assistant, c'est-à-dire un doctorant bac plus 5 à ses côtés qui leur permet de mettre en forme les ordonnances de référé qu'ils ont rendues, les jugements correctionnels qui sont frappés d'appel, pour qu'ils puissent faire leur rôle de juge, mais qu'ils soient assistés au quotidien. Je me bagarre depuis des mois et des mois pour obtenir ce renfort pour les petites juridictions. Mais je me bagarre aussi pour avoir des assistants spécialisés au pôle antiterroriste ou dans d'autres services. On est écouté, mais tout cela vient trop lentement. Il faut sans arrêt, argumenter et convaincre. Je le dis, on a trouvé que je faisais de la polémique à 2 centimes, je l'assume. Je considère que quand le tribunal de Paris, par les décisions qu'il a rendues sur ses conventions judiciaires d'intérêt public, rapporte en 2 ans 4 milliards d'euros à l'État. Alors que les douanes bénéficient d'un retour sur investissement, il serait normal qu'il y ait une enveloppe, non pas du tout pour augmenter la rémunération de qui que ce soit, mais pour renforcer les équipes dans les juridictions. Et ce serait un dialogue plus équilibré vis-à-vis de l'administration centrale. Et il faut que ça profite à tout le monde. Je ne dis pas que ça doit profiter à Paris, ça doit profiter à Périgueux, ça doit profiter à Dunkerque.
mais que véritablement on ait ces équipes renforcées autour des juges, parce que ça, vraiment, ça nous affaiblit. C'est manque d'effectifs. Je partage avec vous ce constat, et y compris sur la délinquance économique et financière qui tend à monter en puissance, et sur le retour sur investissement. En tout cas, ça profite au budget général, donc il n'y a pas de raison que ça ne profite pas aussi au ministère de la Justice et au programme 166, pour être précis, puisque c'est de ça dont nous parlons. Vous parlez de l'allocation des moyens, de la discussion avec l'administration centrale. Eux aussi gèrent un budget, eux aussi gèrent la misère, mais à l'échelle du pays. Donc finalement, chaque magistrat qui est en plus dans la cour d'appel dont vous êtes premier président, c'est un magistrat qui va manquer dans une autre cour d'appel. Comment vous pensez qu'on peut monter en puissance sur le sujet, que ce soit sur le recrutement, mais aussi sur les moyens? Et puis, sur la gestion du tribunal, OK, le tribunal est neuf, mais vous l'avez mentionné, c'est un partenariat public-privé qui aussi coûte, un mode de fonctionnement et d'organisation qui est d'un genre un peu nouveau, de cloisonnement aussi des activités à l'intérieur du tribunal. Monsieur le Président, c'est vous qui votez le budget. C'est vous qui votez le budget, c'est le Parlement qui le vote. Je pense qu'il est... Je vois à quel point le ministère de l'économie et des finances a su, mais incroyablement, faire une révolution. La transformation numérique, elle est vraiment, vraiment effective au ministère de l'économie et des finances. Nous sommes tous contribuables. On a vu comment, en quelques années, l'administration fiscale s'était organisée pour que nous fassions nos déclarations de revenus sur Internet. Et chaque année, on voit que les tuyaux fonctionnent de mieux en mieux. Le prélèvement à la source, on peut dire ce qu'on veut, mais ça a été une incroyable réussite, alors qu'on était tous très inquiets des éventuels bugs. Ça a marché. On voit bien, d'ailleurs, qu'a priori... Pardon ? On se disait tout simplement attention, parce que la numérisation a entraîné des suppressions de postes dans le ministère concerné. Oui, mais c'est plein dedans dans nos territoires. Oui, mais bon, mais en tout cas, l'outil qui pourrait être utile à la productivité. Ce que je veux dire, vous voilà, Monsieur le Président, ça a marché à Bercy. On fait une réforme du divorce et on dit aux avocats, vous devrez, quand vous assignerez en divorce, prendre une date auprès du greffe. J'ai dit, mais vous plaisantez. Il ne va pas y avoir 32 000 avocats au barreau de Paris qui vont téléphoner au greffe pour demander une date. Pourquoi ? Parce que quand il y a audience, le greffier, il est à l'audience. Donc l'avocat, il va se retrouver face à un téléphone qui répond dans le vide. J'ai dit, mais vous réalisez ce que vous proposez comme système ? Donc on va peut-être avoir quelque chose qui ressemblera à Doctolib, grosso modo. Je veux assigner, clac, j'ai ma date d'audience. Mais ce n'est pas fait à l'heure actuelle. Donc, oui, la réforme a été reportée au 1er septembre parce qu'on a convaincu qu'on ne pouvait pas être dans un sous-équipement informatique. Oui, bien évidemment que les nouvelles technologies ont modifié les équilibres et peuvent provoquer des pertes d'emplois, mais il y aura toujours un greffier à côté du juge. Ça, c'est une certitude. Et je pense que, précisément, toutes ces nouvelles technologies nécessitent aussi des personnels très qualifiés. Mais en tout cas, je pense que le plan de transformation numérique qui est mis en place par le ministère de la Justice a des années de retard par rapport aux autres ministères, et que là aussi, on aimerait voir enfin cette transformation numérique qui allège la charge de travail des greffes, qui reste encore infiniment trop paperassière. Je pense à le bureau d'aide juridictionnelle, pour parler de la justice du quotidien. C'est quand même encore très archaïque, tout ça, que l'on demande la fiche d'état civil, le livret de famille, la déclaration de revenus, tout cela quand même, on le sait. Bon, on pourrait un tout petit peu croiser les choses pour avoir immédiatement quelle a été l'imposition fiscale de la personne, pour savoir si oui ou non elle est éligible à l'aide juridictionnelle, puisque ça a été validé par Bercy. Et on éviterait ce traitement monstrueux, ces 200 personnes qui viennent tous les jours au tribunal de Paris pour solliciter une aide juridictionnelle, qui retarde le cours de la justice, puisque c'est 30 à 50 jours d'instruction des dossiers. Voilà, il y a des marges de progression considérables. —
Je reste sur un aspect budgétaire, pour partager avec vous d'ailleurs les difficultés de la justice actuelle. On a tenté, le gouvernement et le Parlement, dans la dernière loi du 23 mars 2019, d'y trouver un certain nombre de réponses, avec une augmentation significative, mais c'est vrai que le débat ne sera sans doute d'ailleurs jamais clos, de l'adéquation des moyens aux besoins. Il n'y a aucun doute. Et vous en faites largement l'écho, et nul ne peut réellement le contester. On a des retards, il n'y a aucun doute. Pour autant, on est encore une fois dans une commission d'enquête sur l'indépendance de la justice. Et il y a deux, trois éléments de positionnement ou de contexte que j'ai du mal à suivre. Premier élément, en quoi la faiblesse budgétaire impacte-t-elle directement la notion d'indépendance de la justice ? Et pour prolonger ma question, de quel type d'indépendance parle-t-on ? Est-ce qu'on parle, comme le président, d'indépendance par rapport à l'exécutif ? Là, j'ai un peu de mal à comprendre quand même, parce que, sauf erreur de ma part, la justice, c'est un service public d'État. C'est même d'ailleurs une des fonctions régaliennes les plus importantes de l'État. Donc je ne vois pas en quoi la justice devrait être indépendante du gouvernement ou de l'exécutif, en tout cas. Peut-être au plan politique, il y a d'autres questions à se poser, mais au plan budgétaire, je ne vois pas comment on se pose réellement et fondamentalement cette question. Donc, s'agit-il d'une indépendance, la faiblesse du budget impacte-t-elle l'indépendance de la justice à l'égard de l'extérieur ? L'indépendance de la justice, ce n'est pas l'indépendance interne. Premier élément. Deuxième élément, vous l'avez largement évoqué sur question du président, qui est tout à fait légitime, la diarchie, la triarchie, comment on s'organise. Je ne suis pas sûr non plus que ça impacte directement la notion d'indépendance qui est le fondement de notre commission d'enquête. Mais par contre, il y a peut-être un autre terme qui pourrait être utilisé, sinon l'indépendance, c'est l'autonomie de gestion. Est-ce qu'au plan strictement budgétaire, vous estimez que un gain en termes d'autonomie serait aussi un gain en termes d'indépendance ? Ou est-ce que ce sont deux notions vraiment séparées ? On a d'un côté l'amélioration budgétaire de la justice en France qui reste un objectif, qui s'améliore, mais qui reste un objectif, qui n'est pas encore atteint, évidemment. Et d'un autre côté, la grande notion d'indépendance dont je ne vois pas les interrelations aussi clairement que vous sembliez me dire ou que le président semblait me dire. Voilà, pardonnez-moi, c'est une réflexion. Je vais essayer de vous répondre de la manière la plus claire possible. Je pense que si on n'a pas les moyens suffisants en nombre de juges d'instruction pour traiter la délinquance économique et financière, pour traiter les problèmes d'environnement ou de santé publique qui viennent des problèmes majeurs, c'est concrètement des juges qui croulent sous les dossiers, qui ne sont pas suffisamment en nombre pour aller au cœur des sujets assez vite pour répondre, je dirais, à une urgence qui est liée à la manifestation de la vérité. Et c'est le fait d'être complètement, je dirais, enquisté par des dossiers qu'on n'arrive pas à traiter parce qu'on n'est pas assez nombreux, qui, quelque part, font que la justice ne fonctionne pas bien. Et donc, forcément, ça remet en cause, je dirais, le fondement même de notre mission, c'est de rechercher la vérité et de permettre à la justice de s'affirmer pour la recherche des responsabilités. Et je vous le dis parce que ce soit le secteur pour lequel, je dirais, que les moyens ont été toujours alloués en temps et en heure par rapport aux difficultés, c'est le terrorisme, clairement. Je pense que l'État a vraiment été très attentif aux besoins absolument indispensables de la justice parisienne pour traiter les affaires de terrorisme, et on a toujours été très écouté. Je pense que sur le crime organisé, on voit qu'il y a des remontées des moyens très considérables qui doivent être opérées pour lutter contre ce qui se passe dans le Sud-Est comme ce qui se passe sur l'ensemble du territoire, sur la justice pénale, économique et financière, et sur les problèmes de santé publique et d'environnement. Il y a des affaires actuellement au pôle santé publique qui sont monstrueuses par la dimension qu'elles ont, les investigations qui vont pouvoir être effectuées. 7 juges d'instruction au pôle santé publique pour traiter Lubrizol, Dépakine, les accidents d'avion, le chlordécone, etc. C'est très notoirement insuffisant. Et donc, quelque part,
Est-ce que le fait d'avoir des juges d'instruction mais qui n'arrivent pas à accomplir leur mission sur des sujets essentiels, est-ce que oui, ce n'est pas des obstacles? J'aurais tendance à dire que oui, que quand je vois qu'il n'y a pas suffisamment de greffiers pour permettre aux services de fonctionner, quand on voit des services correctionnels qui sont encore trop embouteillés, quand on voit que à Bobigny, on est arrivé à une situation où on attendait 11 mois pour pouvoir divorcer devant un juge d'affaires familiales. Tout ça n'est pas bon, et tout cela donne l'impression d'un service public qui n'accomplit pas sa mission. Et je pense que, quelque part, l'insuffisance des moyens fait obstacle au bon fonctionnement d'un service public qui est trop en demande par rapport à des besoins qui doivent lui être alloués. Pour une dernière question, parce qu'on arrive au terme de l'audition et on ne va pas retarder l'audition suivante. Vous parliez de 10% de postes vacants en greffe, notamment. Il y a aussi l'effectif cible n'est pas encore atteint non plus chez les magistrats dans tous les domaines. D'ailleurs, je sais qu'il y a une discussion entre effectif cible au niveau global dans le pays et effectif cible en fonction des missions des différents magistrats. Est-ce que au fond, vous pensez que l'effectif cible actuel correspond aux besoins? C'est une vraie question parce que, en théorie, de mon point de vue d'ancien attaché d'administration qui avait à gérer les fonctions support dans son secteur, 10% d'effectifs en moins, en théorie, ça s'absorbe, ça se gère. Je veux dire, c'est mieux, ça aurait été mieux si ça avait été 100%, mais 10%, bon, ça va. Et j'ai l'impression qu'au ministère de la Justice, même 2 ou 3% en moins, ça prend tout de suite des proportions importantes. Du coup, la question fondamentale devient et redevient, est-ce que l'effectif cible est bien l'effectif qui correspond aux besoins? Monsieur le Président, la réponse clairement, c'est non. La réponse clairement, c'est non. Ça, c'est insuffisant. Il faut repenser les effectifs cibles, comme vous le dites. Alors, c'est vrai que justement, on se rapproche du plafond d'emploi pour les magistrats, parce qu'il y a de moins en moins de postes vacants, c'est vrai. Mais c'est évident que si on ne réajuste pas les effectifs cibles, on va dire, vous êtes à plein emploi, mais oui, mais le seul problème, c'est qu'il fallait considérablement augmenter les moyens. Et je dirais globalement que... alors, on est dans une période où ça bouge un peu. C'est-à-dire qu'on voit qu'en matière civile, le nombre d'affaires semblerait être orienté à la baisse. Donc il va falloir regardez ça de près, de manière très objective. Mais pour le pénal, c'est exactement l'inverse qui se produit. Bon. Alors, les affaires civiles baissent en première instance, baissent en appel, et les pourvois baissent également à la Cour de cassation. Donc, il y a un phénomène qu'il va falloir observer. En matière pénale, la réponse est exactement inverse. Ça ne fait qu'augmenter, parce que aussi, il y a la justice pénale envahit tous les champs, je dirais, de la société, qu'il y a une mobilisation comme on n'en a jamais vu sur les violences conjugales, que c'est vrai que la justice pénale intervient sur tous les fronts et notamment sur les problèmes d'environnement et de pollution. Je pense qu'il va y avoir... oui, j'aurais tendance à vous dire qu'il faut, et c'est ce que l'on dit à la chancellerie, il faut nous écouter un peu plus attentivement sur les créations de postes nécessaires pour remplir toutes nos missions. J'avais vu que vous m'aviez posé une question sur la Cour de justice de la République. Vous laissez tomber, d'accord. Non, enfin, allez-y, si vous voulez nous en parler. Moi, j'ai un avis sur le sujet, mais je veux bien avoir... Voilà, moi, je porte un regard sévère sur son fonctionnement. Je pense que ça ne va pas. Et qu'il serait... Ce tronçonnage des procédures est complètement absurde. Le volet non ministériel des affaires jugé d'un côté, le volet ministériel des affaires jugé d'une autre manière, ce qui fait que vous avez des protagonistes qui sont entendus en qualité de prévenus et puis ensuite dans l'autre enceinte en qualité de témoin. C'est complètement baroque comme situation, parce que vous êtes prévenu, vous êtes témoin, mais si vous êtes témoin, vous n'avez pas d'avocat. Si vous êtes prévenu, vous en avez un, donc tout ça est complètement absurde. Je pense qu'il faut éviter cela. Il faut que ce soit une même formation du jugement qui examine l'ensemble des faits,
qu'on peut très bien imaginer deux séquences dans le procès, c'est-à-dire d'abord les collaborateurs, l'environnement, et puis ensuite l'autorité ministérielle. Alors, et puis j'ai vu que dans le projet, me semble-t-il, de réforme de la Cour de justice de la République, on ne prévoyait qu'une juridiction sur le fond et pas d'appel. Là, je pense que c'est pas bien du tout. Je pense que il faut que chacun puisse voir sa cause être entendue une deuxième fois par une juridiction du fond. Quand le président et moi en tirons comme conséquence que vous êtes favorable à la suppression pure et simple de la Cour de justice de la République, ce sur quoi on peut largement se retrouver, c'est d'ailleurs un objectif politique que nous sommes assignés. Après, c'est pas si facile que ça. Est-ce que, juste un point, est-ce que vous voyez quand même le maintien d'une commission des requêtes, une commission, une sorte de filtre sur la juridiction de droit commun ou ordinaire qui aura jugé? Vous avez donné votre opinion aussi sur le double degré de juridiction, mais sur avant ce qui se passe. Je pense qu'il faut être très prudent et qu'il faut éviter, je dirais, l'instrumentalisation de la justice avec des poursuites engagées de manière un peu hasardeuse pour déstabiliser un ministre. J'en suis bien conscient. Donc tous les mécanismes qui permettent d'éviter tous ces risques d'instrumentalisation peuvent être réfléchis. Moi, je suis tout à fait conscient du risque. Juridiction de droit commun, mais avec des dispositifs de précaution compte tenu de la situation. Donc, okay, très bien. Merci, Monsieur le Premier Président, d'avoir participé à cette audition. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci aux collègues qui ont posé la question et aux rapporteurs.